vous propose cet après-midi une petite découverte de la diversité du patrimoine de la cité de Thouars. Thouars est labellisée ville d'art et d'histoire depuis la fin de l'année 2001. Et depuis cette période, beaucoup d'animations, beaucoup d'actions sont réalisées pour présenter le patrimoine à toute la population, aux visiteurs, aux touristes, mais aussi aux locaux. Alors, pourquoi pas traiter ce patrimoine de bas en haut et vous montrer quelques aspects en hauteur ou en profondeur de cette cité médiévale à l'origine. On est d'ailleurs ici sur un chemin de ronde, ancien chemin de ronde de la muraille, à peu près terminé au XIIIe siècle, un mur de 4 km de long, avec à peu près 44 tours estimées. Sur ces 44 tours, 28 sont conservées, et deux tours très importantes en dimension. Celle-ci, qui porte le nom au départ de tour Grenetière, son nom change un petit peu en fonction de son utilisation, et notamment une prison au XVIIe. Prison des Faussonniers, pour finalement être nommée de nos jours Tour du Prince de Galles. Ce serait son nom depuis le XIVe siècle, en référence au Prince Noir qui a séjourné en partie dans ce secteur ouest de la France. À l'arrière-plan, on aperçoit un autre bâtiment majeur du patrimoine de la ville, l'ancien hôtel du président Louis Tindeau. Alors on l'appelle aujourd'hui simplement Tindeau ou Hôtel Tindeau. Ce bâtiment a servi de résidence au XVe siècle, jusqu'à la Révolution française. Quelques années plus tard, le bien est vendu à un marchand de biens qui le revend assez vite, en 1874, à la ville de Thouars, pour en faire une école communale de filles. Cette école, qui va devenir école et collège, cessera son activité en 1979, et ensuite, à peu près une trentaine d'années d'accueil d'associations locales, pour finalement devenir, depuis 2015, conservatoire de musique et de danse pour le Thouarsais. Alors nous sommes ici dans les sous-bassements de l'hôtel Tindeau. C'est un bâtiment qui d'origine pourrait être du XIIIe siècle. Un palais, une résidence des rois plantagenais, qui devient ensuite au XVe siècle la résidence du sénéchal Louis Tindeau, qui travaille pour la vicomté de Thouars. Le vicomte de Thouars, le seigneur de Thouars de l'époque, c'est Louis d'Amboise. Alors ici, on est en fait dans un niveau de cave, un niveau de cave de stockage, pourquoi pas une circulation vers la muraille, et puis surtout un point d'eau, ici même, juste ici, une voûte avec un petit escalier et un captage d'eau potable d'une nappe phréatique. Beaucoup de souterrains thouarsais, ou de caves, comme c'est le cas ici, sont aussi des lieux de circulation. Ça permet de relier des établissements religieux entre eux, des lieux de pouvoir, et évidemment une fonction militaire qui double parfois la courtine, le chemin de ronde de la muraille à l'intérieur du mur ou sous la muraille. Et puis ici, donc des communications entre deux parties du bâtiment médiéval et la muraille, avec un corridor qui aujourd'hui est bouché, qui va justement en direction d'un chemin de ronde intérieur de la muraille. Alors on va prendre de la hauteur dans cet hôtel Tindeau. Ici nous sommes juste intramuros, derrière la muraille. L'avantage de cette belle tour de l'hôtel Tindeau, c'est d'être en grande partie dans un état patrimonial parfait. On est ici dans une chambre haute, c'est-à-dire qu'on est juste au-dessus de la vis de l'escalier. Une chambre haute, pas d'une grande utilité, c'est plutôt une chambre de repli, de méditation, et qui permet aussi d'avoir des vues en étant au-dessus de la vis de l'escalier. Alors une cheminée qui est d'époque, donc on est fin 15e siècle. Cette cheminée a pu être sauvée lors de la restauration, et pour restaurer cette tourelle sans pour autant démonter ses charpentes et ses toitures, l'échafaudage a permis de soulever la charpente, restaurer les murs et reposer la charpente et ses ardoises ensuite. Dans la cité historique, intramuros, on peut estimer qu'au moins 30 à 40% du bâti est souvent du 15e, 16e siècle. Donc parfois, même si la façade sur rue n'a pas d'intérêt, derrière la façade, on peut tout à fait trouver un escalier médiéval à vis, en pierre, des cheminées comme celle-ci, ou des fragments de pans de bois, comme c'est le cas au fond de la pièce ici, avec ce remplissage entre les poutres, avec du torchis, du pisé, du bousilli. Différents termes existent dans le vocabulaire ancien. Dans cette tourelle d'escalier, au-dessus de la chambre haute, on retrouve une deuxième pièce,
qui avait certainement une fonction similaire, un peu plus petite. La charpente ici a complètement été reprise dans les années 1970. Le doublage n'existe plus. Mais il reste cette très belle fenêtre, avec surtout un coup-siège. Donc un coup-siège, l'endroit où on peut s'asseoir dans l'épaisseur du mur et regarder vers l'extérieur. Donc un lieu assez intéressant où on a, vers l'extérieur, une vue sur le quartier Saint-Médard, le plus près d'ici, et puis sur le quartier de l'abbaye, donc le quartier Saint-Long actuel, quartier de l'Hôtel de Ville. Alors nous sommes ici à la fois dans une partie basse d'un monument et à la fois en hauteur. Donc, nous sommes en fait sous la collégiale du château de Thouars. Ce n'est pas une crypte puisqu'on n'est pas en souterrain. On est à l'intérieur d'un mur de soutènement avec des fenêtres qui donnent sur la vallée. Ici sont installés aujourd'hui des tombeaux. À l'origine, cette chapelle, c'était simplement pour accueillir les paroissiens de la basse ville, c'est-à-dire les gens qui habitaient au pied de cette chapelle et du château. Au XIXe siècle, lorsque la chapelle est rachetée par les descendants des seigneurs de Thouars, les descendants des ducs de la Trémoille, puisqu'on le prononce comme ça depuis le XIXe siècle, la famille décide d'en faire sa sépulture, c'est-à-dire d'y installer tous les membres de la famille. Et il est vrai que ces tombeaux devaient accueillir beaucoup plus de personnes qu'en réalité aujourd'hui. Une des dernières sépultures date des années 1970. La plus importante, on est juste à côté, finalement, c'est le dernier duc de Thouars. Il est décédé accidentellement en 1933, à l'âge de 23 ans. En fait, il était invité à une fête dans un château dans le sud de l'Angleterre, à Whitchurch, par la famille McCormick. Le château a pris feu dans la nuit. Il a réussi à sortir avec la plupart des occupants du château. Quelques domestiques se sont retrouvés bloqués. Louis-Jean-Marie de la Trémouille a essayé de sauver une domestique bloquée au premier étage. Malheureusement, ils n'ont pas pu ressortir du bâtiment. Les escaliers se sont écroulés et il est décédé dans l'incendie. Donc c'est le dernier duc de la Trémouille, donc dernier duc de Thouars. Les descendants actuels sont d'origine belge et résident à la fois en Belgique et à la fois dans un très beau château près d'Angers, à Saint-Georges-sur-Loire, connu sous le nom de château de Serran. Alors cette chapelle aujourd'hui est utilisée uniquement pour la mémoire de ces Latrémouilles. Et la partie haute, la grande chapelle collégiale, est-elle ouverte au culte avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Nous sommes toujours dans la collégiale de Thouars, un petit peu plus bas que la chapelle basse, qui accueille la plupart des tombeaux de la famille. Nous sommes en fait à l'intérieur d'une tour médiévale qui existe depuis probablement le XIVe siècle, qui a servi de fondation pour ce grand édifice construit entre 1500 et 1520. Et nous sommes sous les tombeaux qu'on a vus juste avant, dans une partie de fosse commune, avec plusieurs sépultures utilisées et d'autres sépultures toujours disponibles. Nous sommes remontés dans la chapelle basse, où sont la plupart des tombeaux. Il y a une grille, cette grille donne vers le nord, et notamment vers un bâtiment qui a été ajouté au XIXe siècle. Et ici, vous avez l'actuelle sépulture de Claude de la Trémouille, duc de Thouars, et de sa belle-fille, Marie de la Tour d'Auvergne, l'épouse d'Henri de la Trémouille. Alors, sa sépulture est ici, c'est un petit peu original, entre guillemets. Ces deux personnalités ont été enterrées dans la chapelle haute, au-dessus de nos têtes. Et après la Révolution, on n'a pas souhaité garder ces sépultures à côté de catholiques. Donc ces protestants, ils sont tous les deux morts protestants, ont donc été exhumés, leurs sépultures transférées dans une cave, ancienne laiterie du château, à l'opposé du château, c'est-à-dire à près de 150 mètres d'ici. Et finalement, au XIXe siècle, quand on retrouve leurs sépultures, elles viennent s'installer définitivement, peut-être définitivement, sous ce petit bâtiment construit au XIXe siècle. Donc ces protestants ont donc trois lieux de sépulture depuis leur mort. Alors pour la suite de cette découverte du patrimoine de haut en bas, ou de bas en haut,
Nous voici en souterrain, dans le quartier de l'abbaye Saint-Lon, sous la rue Jules Ferry, exactement. Ici, un souterrain a pu être aménagé il y a quelques années, en 2007 exactement. Donc ici, des anciennes caves, avant tout, de l'abbaye, aménagées à partir du 19e siècle pour la gendarmerie de Thouars, qui s'installe contre l'église, à l'arrière de ce qui est devenu l'hôtel de ville en 1847. Et donc ici, on retrouve la trace d'une construction, quelque part, hein, en souterrain. On a creusé directement la roche de schiste qui constitue une partie du plateau de Thouars, et surtout franchi cette pierre qui en fait nous montre un peu le fond de l'océan, le fond de la mer, avec énormément de quartz, parfois des traces de coquillages, donc une roche très dure, à peu près imperméable. Donc on passe ici sous des pierres un petit peu plus fragiles, et parfois des cloisons ont été aménagées, ce qui est le cas ici, une cloison avec une porte qui permettait certainement de séparer des biens stockés au frais, et notamment, pourquoi pas, des vins. Et si on regarde bien ces pierres, on retrouve des moulures, un travail de taille de pierre, ce qui est probablement du réemploi, c'est-à-dire des pierres d'un des bâtiments du Moyen-Âge du quartier, récupérées et réutilisées ici pour créer une porte et une cloison. Alors cette cave était aussi un départ de souterrain, probablement vers la vallée du Thouet, pour passer sous la muraille du côté ouest de la cité. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre juin 40 et puis surtout la libération de Thouars en septembre 1944, cette cave, ce souterrain, a fait partie des abris en cas de bombardement. Et plusieurs témoins du quartier se souviennent, ou se souvenaient, puisque ces personnes sont désormais disparues, être descendu ici dès qu'une sirène retentissait, avec des bombardements qui, à Thouars, ont souvent été et surtout faits dans le quartier de la gare.